Dame i gospodo, vaše ekscelencije, uvaženi ambasadore Belhaš, poštovani gospodine Benželun, pozdravljam posebno državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova gospodina Starovića, gospođu Brankicu Janković, kolege i prijatelje ambasadora Jankovića, načelnika sektora za Afriku i Bliski istok. Čast i zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Muzeja afričke umetnosti, jedinog antikolonijalnog muzeja u Evropi, koji je pre nekoliko dana obeležio 45 godina od osnivanja. Upravo to je jedan od razloga zbog čega smo se sa zadovoljstvom odazvali pozivu ambasadora Belhaža da u ovoj godini u kojoj obeležavamo 65 godina diplomatskih odnosa između Kraljevine Maroka i Republike Srbije budemo domaćini jednog od mnogobrojnih događaja koje ambasada Maroka organizuje u našoj zemlji. Posebno nam je zadovoljstvo da danas imamo priliku da naš gost bude istaknuti marokanski književnik, stvaralac, pisac, filozof, gospodin Tahar Benželun, koji je drugi put u Beogradu, ali imamo zadovoljstvo da prvi put budemo njegovi domaćini. Ja se nadam da će i gospodin Benželun poneti iz Beograda i Srbije iz Muzeja afričke umetnosti najlepše utiske i uspomene nakon ovog predavanja i sa zadovoljstvom mogu da najavim ambasadora Maroka, gospodina Belhaža, da vas i on pozdravi. Nakon toga krenut ćemo stopama Tahara Benželuna ka spoznaji boja i mislim da smo svi veoma radoznali i uzbuđeni da vidimo kuda će nas on odvesti. Bonjour. Donc, je prononcerai mon mot en langue française. Je demanderai à nos amis serbes d'utiliser leurs headphones for translation. So, this translation to English and to Serbian. Please use your headphones. Monsieur le secrétaire d'État, Madame la commissaire pour la protection de l'égalité, chers collègues, messieurs les ambassadeurs, amis francophones et francophiles, chers amis, mesdames, messieurs, mes premiers mots sont tout naturellement pour vous dire tout le privilège et l'honneur qui sont les miens d'accueillir ce jour l'écrivain et poète marocain tant attendu, M. Tahar Benjelloun, pour une discussion à bâton rompu avec la professeure de lettres, Mme Stéphanie Dizin, que je remercie vivement pour nous avoir accompagnés fidèlement dans nos aventures littéraires durant ces dernières années. La discussion tournera autour de l'œuvre tout en nuances de M. Tahar Benjelloun et autour de son roman particulier intitulé « La couleur des mots ». Discussion qui s'inscrit dans le cadre du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Belgrade, année également qualifiée année du Maroc en Serbie, par les ministres des Affaires étrangères marocains et serbes, messieurs Nasser Bourita et Nikola Selaković. Mais auparavant, quelques mots sur M. Benjelloun. Membre de l'illustre académie concours depuis 2008, Tahar Benjelloun est l'écrivain marocain francophone le plus traduit au monde, certains de ses livres ayant été traduits dans 45 langues, dont l'espéranto et le braille. Cependant, il serait de part trop réducteur de limiter cet écrivain de renommée à cette profession noble, car voyez-vous, M. Benjelloun a plus d'une corde à son arc et utilise la couleur dans son œuvre artistique, tant dans ses mots que sur ses toiles. En effet, si Benjelloun est également peintre, avant même d'avoir écrit en réalité. D'ailleurs, le vernissage de sa dernière exposition intitulée également « La couleur des mots » a eu lieu le 11 mai dernier à Casablanca,
C'est dire combien Ibn Jelloun est sur tous les fronts, puisque le voici parmi nous ce jour, pour notre plus grand bonheur au sein de ce merveilleux lieu qu'est le Musée d'Art Africain. Ce qui m'amène à adresser mes plus chaleureux remerciements à Madame Maria, directrice du Musée d'Art Africain, Mesdames Emilia et Militsa, toutes deux conservatrices dans le du musée, qui nous accueillent dans ce lieu hautement symbolique et coïncidence ou pas, le lendemain de la Journée de l'Afrique qui a eu lieu, comme certains d'entre vous le savent, chaque 25 mai. Il y a lieu de préciser que le Musée d'Art Africain nous accueillera de nouveau le 26 juin prochain pour un autre événement annuel africain, le Durbar Day. Permettez-moi également d'exprimer mes remerciements les plus chaleureux à Monsieur l'ambassadeur de France à Belgrade, Monsieur Pierre Cochard, et à Monsieur Pierre Assouline, autre membre illustre de l'Académie Concours, et Monsieur Stanislas Pierret, directeur de l'Institut français de Belgrade, de nous honorer de leur présence, et ce malgré la conférence littéraire que Monsieur Assouline tiendra au Centre culturel juif à 18h. Réjouissons-nous donc de cette discussion avec Sitar Ben Jelloun, qui je suis sûr sera haute en couleur et laquelle, j'espère, suscitera votre curiosité et l'envie de visiter notre cher Maroc. Je vous remercie et cède la parole à notre chère Madame Diza. Bonjour Tara Ben Jelloun. C'est un immense honneur que d'échanger avec vous en chair et en os, car la dernière fois qu'on s'était vu, c'était online à cause de la pandémie. Voilà. Oui. Rappelons donc que vous êtes franco-marocain, que vous êtes internationalement connu, comme l'a précisé Monsieur l'ambassadeur, et traduit en de nombreuses langues, dont le serbe, qui est à l'honneur aussi. Vous êtes considéré comme un écrivain et un artiste qui arrive à mélanger les mots et les couleurs, mais aussi la douleur et la lumière du monde. Vous avez reçu donc le prix Goncourt pour votre livre « La nuit sacrée ». Alors aujourd'hui, je vous propose, Tara Ben Jelloun, une approche différente. Car il y a quelques semaines, un mois un peu plus, votre nouvel ouvrage « La couleur des mots » est paru aux éditions Iconoclaste. C'est un roman différent des autres, très autobiographique, qui contient des textes de vie, qui ne suivent pas forcément la chronologie de votre vie. Vous y mettez des phrases clés en lumière, des personnes qui ont marqué votre vie, et surtout, c'est illustré avec vos dessins. Donc, je vous en donne quelques... Voilà. Des dessins. Et surtout, il est terminé avec vos peintures. Alors, je vous propose d'ouvrir la page de votre histoire et de suivre vos pas à la découverte des couleurs. Très bien. Alors, votre actualité est bien chargée, si j'ai bien enquêté. Vous avez sorti un recueil de poésie chez Gallimard en février. Vous avez sorti le livre « La couleur des mots » en mars. Et puis, vous avez dû préparer une belle exposition « La couleur des mots » pour l'atelier 21. Alors, comment gardez-vous la forme, Tara Ben Jelloun? J'essaie de bien dormir, ce qui n'est pas facile. Mais c'est bien, quand être en activité, c'est une façon de lutter contre l'ennui et contre la défaite du temps. Et en même temps, bon, je me dis, je suis arrivé nulle part, parce que je me méfie des gens qui sont arrivés. Je suis toujours en route, d'accord. Je marche. Et bon, on verra après ce qui va rester. Alors, je me suis permis de lire bien attentivement le livre et quelques lignes m'ont dit que votre peinture vous avait parfois mis à rude épreuve physique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là? Non, il y a une épreuve physique particulière. Il y a une prison en Sicile, à Lipari, qui est devenue un musée. Mm-hmm. Et on était une dizaine d'artistes, on nous a demandé que chacun prenne une cellule du prisonnier et il fait ce qu'il veut. Et moi, j'ai effectivement peint les trois murs
un mur, je les ai peints pendant 15 jours. Et j'avais presque personne pour m'aider. Et c'était très, très fatigant. Si j'ai bien lu, 18 mètres carrés. C'est ça, par mur. Et je me souviens, j'ai eu un flash en rentrant là. Je me suis mis à la place d'un antifasciste qui se trouvait là, pendant la guerre. À quoi il pense ? Il pense à la liberté. Et j'ai dessiné une porte blanche dans la mer. Et cette porte blanche, je l'ai gardée comme le symbole de tout ce que je fais. Donc, et j'écris aussi en arabe, liberté, j'écris ton nom. Parce que, bon, il y a évidemment des signes, il y a beaucoup de choses. Mais physiquement, c'était fatigant parce que entre faire une toile de 1 mètre sur 1 mètre et faire une toile de 18 mètres, c'est fatigant. Et puis, ce n'est pas le même support. Hein. Oui, ce n'est pas le même support, non. Alors, nous sommes ici donc en votre compagnie pour fêter le 65e anniversaire des relations entre le Royaume du Maroc et la Serbie, pour partager votre richesse culturelle, parce que j'en garde un agréable souvenir et je voudrais que tout le monde puisse en bénéficier aujourd'hui. Votre intérêt pour ce qui vous entoure, car vous êtes un homme engagé et impliqué pour votre pays. Alors, je suis allée un peu fouiller dans vos livres. J'ai ramené celui-ci, qui me plaît beaucoup, la philosophie expliquée aux enfants. Et j'aimerais qu'on suive le sage Moa, qui, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il vous ressemble étrangement. Et dans votre livre, vous parlez des valeurs à travers les mots, à travers les références, à travers des émotions, de la culture. Et je voudrais savoir quelles sont pour vous les valeurs universelles que devrait avoir un homme aujourd'hui. Elles ne sont pas nombreuses, vous savez, elles sont très simples. C'est d'abord la dignité, le respect de la dignité, le respect de l'autre et l'intelligence. De vivre ensemble, c'est-à-dire d'accepter que d'autres soient différents et d'échanger avec eux. C'est-à-dire parce que nous sommes tous les mêmes, nous nous ressemblons tous, mais nous sommes tous différents. Il n'y a pas, à travers toute la planète, deux figures, deux visages identiques. Ça n'existe pas. Donc nous sommes tous différents, mais nous nous ressemblons dans la mesure où nous faisons tous partie de la De l'humanité, cette humanité. C'est pour ça que j'ai milité pendant plus de 20 ans pour qu'on retire du dictionnaire Larousse la définition de la race, où il disait il y a des races blanches, noires, etc. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de race blanche, ni de race noire, ni de race jaune. Il y a une race humaine qui est immense, qui est composée de milliards de personnes, d'êtres humains, qui sont tous différents et ressemblants. Mais il y a des races végétales, animales, etc. Et évidemment, un rhinocéros ne ressemble pas à une mouche, et ainsi de suite. Donc, et les racistes, en général, insistent beaucoup sur l'existence des races pour pouvoir humilier, mépriser celui qui n'est pas de leur couleur de peau ou de leur classe ethnique ou sociale. Alors, votre ouvrage fait référence à un très grand nombre de personnes et d'artistes, la couleur des mots, de faits marquants que vous avez observés, écoutés, estimés. Et durant notre conférence, nous ne pourrons pas aborder malheureusement tout ce qui est dans le livre de Tara Benjelloun. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, de le lire rapidement, parce que c'est vraiment une perle. Donc maintenant, entrons dans votre roman, si vous voulez bien. Je vous propose de retourner au 9e siècle, comme vous dites, et avec un peu d'humour, vous emmener à Fès où tout a commencé. Vous faites une personnification de Fès, vous dites que c'est une vieille dame vive, imaginative et fière. Pourquoi ? Ben écoutez, moi je suis né à Fès, et jusqu'à l'âge de 7 ans, pour moi, le monde se résumait à cette médina où je suis né. Et la médina où je suis né était plutôt sombre, avec de temps en temps des rayons de lumière qui descendaient entre les petites ouvertures qu'on laissait entre deux habitations. Et on n'avait pas de l'eau courante à la maison, donc on devait aller chercher l'eau dans la fontaine.
Elle avait une vie finalement paisible et tranquille, on dit très bien, hein, parce qu'on ne connaissait pas autre chose. Mm-hmm. Et le jour où mes parents ont décidé d'aller à Tanger pour des raisons économiques, alors on prend un train de Fès à Tanger qui met presque 24 heures, un train espagnol. On arrive à Arbawa. Arbawa, c'est la frontière entre le Maroc protectorat français et le Maroc colonisation espagnole, la douane espagnole. Et là, on passe la nuit dans ce train horrible avec la guardia civile qui maltraite tout le monde. Et puis, on nous lâche et on arrive à Tanger vers 7 heures du matin. Et à 7 heures du matin, j'arrive, le train, il traverse la ville et il va vers la plage jusqu'au port. Et ça, c'est une impression que j'oublierai jamais. Parce que tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, je vois la mer. Je n'avais jamais vu ça. Et mon père me dit, t'en fais pas, tu vas être gâté, il y a une autre mer. L'océan Atlantique qui est de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, ma vie, notre vie a changé. A changé parce qu'on est passé, effectivement, on a fait un saut de 11 siècles. On est tombé dans comme à la magie, on est tombé dans le 20e siècle. Avec ce 20e siècle, il y avait aussi la découverte du cinéma. Parce qu'à Fès, on n'avait ni télévision, bien sûr, ni radio, ni rien. Et le cinéma, pourquoi? Parce qu'il y avait à 300 mètres de la maison et de l'école, deux cinémas face à face qui appartenaient à M. Lévy, M. Merveilleux, parce qu'il avait tous les cinémas de Tanger. Et il y avait deux catégories de cinéma. Il y a des cinémas pour les bourgeois qui sont dans la ville européenne. Mais avant que les films ne repartent vers Casablanca, ils les faisaient passer dans les deux petits cinémas pas chers pour les pauvres comme nous. C'est pour ça que j'aimais beaucoup M. Lévy. Et je vous raconte une anecdote, parce qu'elle est dans le livre, que j'aime beaucoup. On était en 1956, et alors tous les jours, nous, avec mon frère, on allait tous les jours voir un film, parce que ça changeait tous les jours. Pas n'importe quel, western, thriller, il n'y avait pratiquement jamais de film français, que des films américains, et c'est comme ça. Et on allait, on découvrait. Bon. Et un jour, on arrive pour entrer au cinéma, et il y avait une foule, et il y avait un type qui dit, non, il ne faut pas entrer au cinéma. Israël vient d'agresser le monde arabe. C'était le moment où il y avait l'intervention britannique, israélienne et américaine. On s'est commencé après la nationalisation du canal de Suez. Ah ouais, nous, on était petits, on savait pas. Ah ouais, bon, on était privés de cinéma. Et puis je vois M. Lévy arriver avec son chapeau noir et sa canne. Il fait un signe de sa canne aux ouvreurs. Il dit, oui. Aujourd'hui c'est gratuit, ouvrez. Alors, tous les pro-palestiniens, si tu voulais, ou les pro-arabes, sont engouffrés gratuitement dans les deux cinémas pour voir les films. C'est une anecdote que j'aime beaucoup. Et c'était Tanger. Tanger était comme ça parce que c'est une ville encore internationale, avec toutes les nationalités. Et si j'ai appris quelque chose, c'est comme justement, c'est la... Puisque la coexistence, c'est le bien-vivre avec toutes ces nationalités, avec toutes ces langues. Et la chose la plus extraordinaire, c'est le matin, j'allais à tout près, là où mon père avait son magasin, à rue Siyarine, il y avait là-bas une mosquée, une église et deux synagogues. Et dans cette pente comme ça, les seules boutiques, c'était des cambios, ils échangeaient l'argent. Je ne comprenais pas comment on pouvait acheter de l'argent. Alors, l'argent qui était en cours à l'époque, c'était la peseta. Et alors, les gens achetaient des dollars, il n'y avait pas d'euros.
des dollars, des livres sterling, beaucoup. Et c'était étrange de voir. Il y avait des Indiens, enfin des Indiens d'Inde, et puis il y avait beaucoup de Juifs marocains qui étaient là, qui avaient leur boutique à côté des bijoutiers et qui vendaient et échangeaient l'argent. Et ça, c'était magnifique. Vous savez, c'est plein de découvertes pour un enfant. J'arrive dans une ville où il y a plein de découvertes. Et après, évidemment, il y a de jolies filles. Les jolies filles sont partout, vous me direz. Mais ça coïncide avec l'éveil. J'avais 13-14 ans, enfin, au bout de quelques années à Tanger. Les lycées régnaux, il y avait de très jolies filles. Et mon rêve, c'est d'aller au lycée régnaux, être avec les filles, tout simplement. Et c'était pour moi une adolescence merveilleuse, magnifique. Et je rencontre là un copain qui va devenir mon meilleur ami pendant longtemps. Et il va m'initier au jazz. Et le jazz va être pour moi la musique qui va m'aider à vivre. Et quand je peins, je ne peux peindre que si j'écoute du jazz. Alors j'ai toujours bloqué sur une station de jazz. J'écoute, ça m'aide beaucoup. Quand j'écris, je suis dans le silence. Mais pour peindre, j'ai besoin du jazz. Et j'explique pourquoi. Quand, par exemple, John Coltrane, que j'adore, entame un sujet. Il commence, lui ou un autre saxophone. Et puis après, il s'envole. Il s'envole en improvisation. Et moi aussi, la même chose. Quand je commence une toile, je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de maquette, je n'ai rien. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Puis je fais comme Charlie Parker, qu'on appelle d'ailleurs le bird, l'oiseau, ou John Coltrane, le super oiseau. Et je pars avec eux dans l'air et ça me nourrit. C'est ça. Et pour moi, la peinture, c'est aussi une... sans mon expérience de cette arrivée extraordinaire à Tanger, la découverte de la lumière en tant que... pas qu'éclairage, mais en tant que presque un mythe, une valeur, quelque chose qui nous aide. Et très curieusement, ma mère avait la passion de la lumière. C'est-à-dire, quand on rentrait à la maison, toutes les chambres étaient allumées. Mon père arrive et dit « Ah, tu vas le ruiner! Tu vas le ruiner !» Elle dit « Non, il faut qu'il y ait de la lumière. J'aime que je vois tout. » Elle respirait avec la lumière. Et je crois que j'ai hérité ça d'elle. Alors, il y a quelques temps, vous avez fait une exposition en 2018 à l'Institut du Monde Arabe avec des portes. Alors moi, j'avais envie qu'on s'imagine derrière une de ces belles portes de la Médina qui abrite les secrets et l'intimité des familles marocaines. Et si nous entrons, on voit un petit garçon qui dessine ou qui caricature. Alors que dessine Tara Benjelloun? Oui, j'ai commencé comme ça parce que je passais beaucoup de temps avec mon père quand il avait son magasin au Diwan de Fès, et il vendait les épices en gros. Et il avait ce papier que j'ai jamais retrouvé, qu'on appelait à l'époque Wandeda. Je ne sais pas d'où ça vient ce mot. C'est papier blanc. Et moi j'adorais ce papier parce que c'était l'emballage. Je lui volais des morceaux comme ça et j'ai griffonné. Je ne savais pas écrire à l'époque. J'avais 3-4 ans. Je griffonnais, je faisais n'importe quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des caricatures des membres de la famille. Et après, c'est devenu un problème. Enfin bon, bref. Et ensuite, je cueillais des fleurs et je les frottais pour avoir quelque chose, pour avoir des couleurs, des coquelicots, des machins comme ça. J'avais 5 ans, 6 ans. Après, je suis passé à l'écriture dans des conditions plus dramatiques, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la peinture, disons, les griffonnages, a toujours été là. Apparemment, c'est toujours là encore, si j'ai bien compris. Maintenant, je griffonne moins. Maintenant, je peins, c'est différent. Je peins, c'est-à-dire que je prends ça au sérieux, je suis assez responsable. Même quand vous êtes au téléphone? Pardon? Même quand vous êtes au téléphone? Mais vous savez, le problème du téléphone, c'est que avant il y avait le téléphone fixe, vous prenez comme ça. Et aujourd'hui, avec l'iPhone, on se lève, on marche, tout ça, et puis c'est pas pratique.
Mais de toute façon, il y a toujours des petits dessins. Je me souviens avoir fait un dessin. J'ai passé à Radio France Culture avec Françoise Sagan. Françoise Sagan, dans l'émission de Roger Vrigny. Je parle de ça parce que Christian Giudicelli, qui vient de nous quitter, était dans cette émission. Et pendant qu'on attendait, parce que c'était enregistré, c'était pas en direct, je faisais un dessin, je faisais plusieurs dessins. Et à chaque fois que je faisais un dessin, Françoise me prenait. Et c'était des dessins, j'avais des crayons de couleur sur moi. C'était, je ne sais plus ce que c'était, bien sûr, j'ai oublié. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils sont devenus, c'est des ajoutés, je ne sais pas. Mais je dessinais tout le temps, c'était pour moi une manie absolue de dessiner. Il fallait dessiner, quoi. C'était nécessaire, ça vous accompagnait. Oui, mais de toute façon, je ne me prenais jamais au sérieux, jamais. Jusqu'au jour où ma femme a ramassé certains de ses dessins, les a encadrés. Il a une association pour son village au sud du Maroc. Il les a mis en vente. Ah bon? Et je me souviens, il y a eu des gens qui ont acheté. Mais pour son association, c'était une bonne œuvre, c'est bien. Mm-hmm. Ça veut dire, c'est la première fois que je vendais des dessins. Après, il y a eu une exposition en 88 à l'Institut français de Turin. Et là, encore, c'était très bizarre parce que c'était des petites choses, c'était pas comme c'était des cartes postales, des machins comme ça. Mais jamais je me suis senti, je me suis vu devenir peintre. Pour moi, c'est toujours quelque chose de drôle et sans plus. C'est avec très modeste. Alors, un grand peintre que vous estimez, Henri Matisse, a dit, « Je suis fait de tout ce que j'ai vu ». Et on sent une forte imprégnation en vous à travers l'observation de votre famille. Alors, il y a deux personnes dans votre famille qui sont mises en évidence dans votre livre. Alors déjà, c'est votre père, que vous décrivez comme étant simple, qui aimait les gens vrais, comme vous. Et l'écriture, apparemment, à sa façon, parce qu'il notait tout dans un grand livre. Alors, est-ce que l'écriture pourrait venir de ça pour vous aussi? Non, l'écriture est venue d'une nécessité hasardeuse. J'étais puni dans un camp militaire et on ne savait pas si un jour on allait être libéré. Ils étaient assez méchants avec nous et je me disais quand même, je vais consigner certaines choses, des petites phrases, des petits poèmes. On ne sait jamais. En sortant, j'avais de quoi faire un long poème que j'avais présenté à Latif Labi, qui avait à l'époque la revue Souffle. Il l'a publié. Et pour moi, c'était une histoire terminée. Et après, on me dit, mais qu'est-ce que tu prépares? Je dis, ah bon, mais je ne prépare rien. Ah non, il faut continuer. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. J'ai eu des images comme ça de l'enfance et je commençais à raconter. Mais je n'ai jamais eu l'ambition de devenir écrivain. Et quand je suis arrivé à Paris, en 71, j'avais un recueil de poèmes et un roman, un premier roman, que j'ai présenté. J'ai déposé l'un à la librairie La Joie de Lire de François Maspero, vous ne connaissez personne, et l'autre chez Maurice Nadeau, parce que c'était un très grand éditeur, un grand monsieur. Puis, j'ai reçu un jour une lettre pour me dire « Passez nous voir », et l'un et l'autre. Alors, pour François Maspero, c'était sa femme qui s'occupait de la collection Voix, où elle a publié beaucoup de très bons poètes. Quant à Maurice Nadeau, c'était très, très étrange. Et il, quand il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Enfin, il bougonnait un petit peu. Il prenait le livre comme ça, il le feuilletait. Et il me dit, cette phrase énigmatique, il me dit, ben, vous n'allez pas me donner du travail, vous. Je dis, ben, oui, vous, ça veut dire que vous n'allez pas le publier? Ah non, non, au contraire, je vais le publier. Et ça veut dire quoi, cette histoire? Il m'a dit, ah, je ne veux pas vous dire, mais d'autres, ils m'ont fait suer parce que c'était tellement mal écrit. Bon, c'était passé comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance.
Moi, j'ai été accueilli en France d'une façon extraordinaire, magnifique. J'ai eu des amis qui m'ont beaucoup aidé, des gens vraiment qui m'ont ouvert leurs bras, leurs portes, leurs maisons. Et ça, c'est très important de le rappeler par rapport à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Moi, je n'ai eu que des belles choses de ces pays. Vraiment accueilli, vraiment à bras ouverts. Et après, bon, j'ai continué. Évidemment, les choses ont beaucoup changé avec le temps. Beaucoup, beaucoup changé. Mais la France a... Moi, je pense que c'est arrivé à un moment où il n'y avait ni les problèmes de l'islam, ni le problème de l'immigration. On n'en parlait pas du tout. Je me souviens, Jean Lacouture avait publié une enquête sur l'immigration et Jacques Fauvet, directeur du Monde, m'avait dit à l'époque, c'est le sujet qui a le moins marché. Personne ne s'intéressait à ça. Or, il y avait de l'immigration, mais on ne la voyait pas. Il n'y avait pas le regroupement familial, il n'y avait pas les enfants d'immigrés, etc. Et c'est vrai que la France a beaucoup changé depuis 1975, depuis le regroupement familial, depuis la naissance de millions d'enfants. Et bon, les problèmes sont énormes, mais c'est, je dirais qu'il y a le tort de deux côtés. Les parents n'ont pas eu le temps, ou n'ont pas su, ou n'ont pas pu éduquer leurs enfants, certains parents. Et de l'autre côté, tous les gouvernements de France, socialistes ou droite, n'importe quoi, ont toujours ignoré ces banlieues, ou essayé de faire des petites choses, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Ils ont laissé pourrir la situation. Et aujourd'hui, on est dans une situation dramatique. Il y a à Marseille des quartiers où on ne peut pas y aller, où l'État ne peut pas y aller, la police ne peut pas rentrer. On n'en parle pas du tout maintenant parce que bon, les élections sont passées, mais il y a des vrais problèmes. Des problèmes qui sont pas dus à l'immigration. Il faut bien comprendre. L'immigration est une chose bien précise. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont paisibles, qui paient leurs impôts, qui vont en vacances chez eux. Il y a un problème avec leurs enfants. Certains de leurs enfants, disons 30-40%, qui ne sont pas comme il faut qu'ils soient. Et ces problèmes-là viennent de plusieurs choses qui sont accumulées. Les prisons ont été un centre de recrutement pour le fanatisme et pour Daesh exceptionnel. Et parfois, les prisons sont pleines de petits délinquants, des petits délits. Ce n'est pas des tueurs, ce n'est pas des types qui font des gros coups, ce n'est pas des types qui cambriolent des banques. C'était des petits voleurs. Et une fois en prison, leurs conditions s'aggravaient et ils devenaient des vrais voyous et des vrais délinquants. Alors, vous me faites rebondir. Je ne veux pas vous dire que vous étiez un petit voleur, mais si j'ai bien lu, pour expérimenter votre peinture, il vous a fallu emprunter quelques produits cosmétiques à votre maman, car vous aimiez beaucoup ces foulards de couleur. Et elle voyait disparaître, pour peindre vos œuvres, quelques produits. C'était pas des produits conçus. Enfin, c'était des produits naturels. Elle avait une poudre pour le rouge à lèvres. Elle avait comment on appelle ça en français, cette espèce de bâton de réglisse peut-être, pour les dents, pour blanchir les dents. Oui, c'est de réglisse. C'était ça. Charbon, non? Oui, ou peut-être. Charbon, et oui. Puis, il avait le kroul, le poudre noir. Et puis, il y avait le henna pour les cheveux. Donc, c'était parfait. Tout était naturel. Monsieur L'Oréal n'avait rien à faire là-dedans. Il était un peu dépassé. Et j'ai piqué un petit peu de tout ça pour faire des gribouillés sur des papiers. Alors, j'ai vu aussi qu'un artiste marocain que vous estimez, alors je ne veux pas écorcher son nom, Ahmed Cherkaoui. Oui. Qui lui aussi avait beaucoup observé sa mère et le aîné et les dessins colorés qu'elle avait sur les mains. Alors pour continuer à suivre vos pas et faire notre voyage à travers vos couleurs, j'aimerais bien que vous nous lisiez le poème de la femme bleue. De la femme bleue que vous avez dans le livre.
C'est quoi ça? Ah, c'est le poème de Ritsos? Oui. Ah oui. Elle trempa sa main dans la mer. Elle devint bleue. Ça lui plaisait. Elle tomba tout entière dans la mer. Elle devint bleue. Bleue sa voix et son silence. La femme bleue, beaucoup l'admirèrent. Personne ne l'aima. Ça, c'est Aragon qui citait Ritsos, la femme bleue. Aragon a fait un texte magnifique qui s'appelle Henri Matisse, roman. Aragon, c'est un immense, immense poète. Et ce qu'il écrit sur Baptiste, c'était magnifique, c'est formidable. Alors, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez 7-8 ans et donc vous avez parlé de Tanger et c'est la découverte du bleu qui vous fait passer dans ce 20e siècle. Alors comment s'est passée réellement votre rencontre avec Tanger, la sensation quand vous êtes arrivé à Tanger? Ben, je vous ai raconté, c'était le matin, c'était le choc. Bon, mais je ne pensais pas du tout à la peinture. Simplement à l'époque, je découvrais. Et d'abord, il y a une chose très simple, c'est qu'à Fès, les rues n'étaient pas asphaltées. Donc, j'avais en permanence les orteils en sang. Parce qu'on marchait avec des sandales, et on se cognait contre des bouts de cailloux, des bouts de pierre, etc. Tanger, j'arrive, tout était asphalté, il y avait les trottoirs et tout. Je me dis que je pensais du 9e siècle au 20e. Je ne peux pas oublier ça. C'était pour moi quelque chose. Alors, j'ai dit à mon père, ça y est, pas la peine d'acheter des sandales, ça y est, c'est magnifique, on peut marcher pieds nus ici, pas de problème. Il y a mais le bleu est votre couleur favorite. Il y a cette multiplicité des langues, cette espèce de... Alors je me souviens par exemple, boulevard Pasteur, il y avait plusieurs compagnies aériennes. Et pour moi, ça veut dire que quand il y a des compagnies aériennes qui ont des grandes vitrines, ça veut dire que les gens viennent. Il y avait KLM, il y avait Air France, il y avait Gibraltar, JB, quelque chose. Enfin, il y avait, et puis un peu plus bas, du boulevard Pasteur, il y avait l'exposition des voitures américaines. Ça, c'était le plus beau spectacle qu'un enfant pouvait avoir. D'immenses Cadillac, des Dodge, des voitures, des couleurs extraordinaires. Et il y avait un juif tangérois, qui s'appelait Bomi, de parents très riches, qui adorait les femmes. Il était tout petit, tout menu, pas très beau, mais il avait une Cadillac rose. Rose. Et Bomi se baladait au boulevard Pasteur avec 3-4 belles filles. Assis sur... Mais c'était un spectacle, hein, il faut dire. Et nous, on sortait du lycée, on regardait Bobby. Il dit, mais il est moche. Mais il a eu Cadillac, lui. Ah, c'était quelque chose. Et Bobby, il est resté une légende jusqu'à sa mort, il n'y a pas longtemps. Mais c'était un personnage de Tanger. C'était extraordinaire, c'était un type formidable. Il travaillait pas. Ses parents lui avaient laissé beaucoup d'argent. Et il se payait comme ça, les voitures, les femmes, et ça. Et il se baladait, il nous narguait avec sa belle voiture. Alors un auteur, Michel Pastoureau, a fait un livre qui s'appelle Bleu. Et il cite que la peinture à l'indigo est connue depuis le néolithique. Mais vous, en tant qu'enfant, vous avez fait une expérimentation pour avoir du bleu. Parce que vous avez découvert le bleu à Tanger. Et si j'ai bien lu, vous avez cherché votre bleu. Oui, le bleu avec lequel ma mère faisait le linge. Et c'était vraiment efficace? Non, c'est pas terrible parce que ça se diluait et ça faisait un petit peu des pastels, mais moi je n'ai jamais utilisé la pastel, c'était pas ça. D'accord. Donc vos œuvres rassemblent les couleurs donc, qui ont bercé votre enfance, elles sont vives, elles expriment la joie. Vos peintures expriment la joie, le bonheur que vous voulez partager avec les gens que vous aimez. Et parfois, elles sont complétées avec des mots poétiques ou avec des phrases poétiques. Alors, est-ce que c'est un moyen pour vous de passer du pinceau à la plume ou vice-versa? Alors, écoutez, quand j'ai commencé à exposer,
une amie me dit, tu es écrivain, tu fais ta poésie, tu peins, pour te distinguer un petit peu, ce serait bien qu'on retrouve ta poésie dans la peinture. Je voyais bien que Miro avait, et certains surréalistes avaient écrit sur les toiles, mais moi j'ai préféré autre chose, j'écrivais sur le cadre. Et l'exposition qui a eu lieu il y a 15 jours à Casablanca, il y avait une trentaine de toiles et j'ai passé 3 jours avant l'exposition à improviser, à écrire sur toutes tous les cadres des toiles, justement parce que je me suis dit, les peintres marocains qui vont arriver, qui vont venir, qui je ne vois pas d'un bon œil quelqu'un venir prendre un peu la place, ils vont dire, oui, d'accord, il peint, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est mauvais. Mais il ne peut pas dire, ah, je ne peux pas faire ce poème qu'il a écrit. C'est-à-dire, moi, je leur dis, bon, vous ne pouvez pas aimer ce que je fais, mais vous ne pouvez pas écrire ce que j'écris. C'est votre signature. C'est ma signature, mais les gens aiment bien. Les gens aiment bien. J'ai des gens qui achètent la toile pour le poème. C'est rare, mais c'est arrivé. Mais c'est un ensemble, c'est un tout. Mmh. Et j'y tiens beaucoup. Vous avez raison. Lors d'une interview, vous disiez que ce soit en peinture, en fait, en écriture, vous faites totalement confiance à votre fantaisie et que comme Van Gogh, vous ne croyez pas en l'inspiration. Vous connaissez l'histoire, enfin, l'expression. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a que la transpiration. Le travail. Oui. Non, le travail, moi je crois beaucoup au travail. Inspiré, disons que la vérité, quand je visite une exposition, je suis en ébullition parce que je me dis c'est tellement merveilleux, c'est magnifique. Si on peut appeler ça l'inspiration, oui. Comme la lecture. Pour écrire, il faut lire. Moi je lis beaucoup, en dehors de la lecture pour le Goncourt, bien sûr, ce qu'il n'y a pas. Mais j'aime lire. J'aime lire et je lis parfois des choses pour moi et qui m'aident à écrire. Et j'aime tout près de ma table toujours les essais de Montaigne, toujours. Les pensées de Pascal, les textes de Cioran, certains enfin, un énorme quarto de Cioran. J'aime bien lire. Et en même temps, Aragon, bien sûr. Aragon, j'aime beaucoup. Et c'est, quand on est écrivain, le fait de lire, ça nous inquiète et nous rassure et nous fait plaisir. C'est très important de lire. Et à chaque fois que des jeunes gens viennent, ça arrive à tous les écrivains, demander des conseils, je dis, lisez d'abord, écrivez après. Ben, bien sûr, la lecture, c'est tout. Si on ne lit pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et parce que tout le monde peut lire, peut écrire. Tout le monde peut écrire. Mais combien il y en a qui arrivent à avoir un style, un univers, à écrire quelque chose de consistant, de beau, qui frappe l'imagination? Très peu. On le voit avec mon ami Pierre. Chaque été, on s'échine sur des romans. On se demande, mais quelle est la nécessité d'avoir écrit tel roman? Oh, putain, oulala. Et parfois, il y en a qui font 600, 700 pages. On se demande, mais quelle mouche les a piquées? Parce que de toute façon, c'est tellement mal écrit. Où est-ce qu'ils vont avec ça? Mais ça, on peut pas. Nous, on reçoit ce que l'édition française produit. Mm-hmm. Et parfois, nous sommes un peu ceux qui essaient nous essayons de donner de cette rentrée littéraire chaque année un petit peu sur les 15 titres qu'on nous sélectionnons, on donne une image de ce qu'est la littérature, le roman français contemporain d'aujourd'hui, quoi, vraiment d'aujourd'hui, mm-hmm. avec des thèmes qui récurrents, qui reviennent. Il y a une période où il y a eu beaucoup la guerre, alors Bernard Pivot, il dit, il y en a marre de la guerre. Maintenant, je ne sais pas, l'année dernière, c'était des histoires d'inceste, de pédophilie, tout ça. Cette année, on n'a pas encore commencé. Mais déjà,
On a commencé déjà à recevoir des livres. Et nous lisons. On fait un peu pareil en tant que professeur pour l'orthographe. Pardon ? Je dis on fait un peu pareil en tant que professeur pour l'orthographe. On dit lisez, ça améliorera votre orthographe. Est-ce qu'il y a un petit rituel quand vous peignez ? Rituel ? Oui, à part le jazz. Le jazz, non, oui, oui, un bon café, le jazz. Ah, le bon café. Le tablier, que j'ai depuis peu. Un tablier, parce qu'avant, j'avais mes pieds, tout ça, j'étais... D'accord. Je ne me rendais pas compte. Parce que je ne me prenais pas au sérieux. Ah. Alors, le jour où j'ai acheté un tablier, c'est devenu un peintre. D'accord. Alors, vous peignez maintenant des villes. Avant, vous avez peint des papillons. Et là, vous peignez des villes du Maroc. Mais pas seulement. Vous peignez aussi, si j'ai bien compris, vous êtes influencé par l'Italie. Alors, quelle ville vous a influencé? Alors, évidemment, il y a Matera. Matera est une ville extraordinaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ville... totalement, enfin, elle est à 60 km à l'est de Bari, près des Pouilles. Et c'est une ville qui a été créée, creusée dans la roche. Et dès que je suis arrivé là, j'ai retrouvé ma ville natale, Fès. Tout à fait ça. Et je me souviens, c'était mon éditrice italienne qui, sachant ce que je pouvais faire, m'a dit : tu vas passer 3-4 jours à Matera. Je dis pourquoi ? Je dis tu vas passer. Et j'arrive à l'hôtel et je trouve des grandes feuilles de papier et des crayons de. Pas des crayons, des encriers pour faire des esquisses. Et j'ai passé 3 jours à faire des esquisses et après j'ai peint quand je suis rentré à Paris. Et Matera a été pour moi un choc, parce que c'est une ville... Après, elle a été ville européenne, capitale européenne de la culture, en 2019, juste avant le Covid. Je suis retourné, et c'est une ville extraordinaire. En plus, on y mange très bien. Vous avez une référence. Alors, jusqu'à fin mai, vos toiles sont exposées à l'atelier 21. Alors, comment ça se passe, le choix de ces toiles, cette exposition par et pour Tara Benjelloun? Comment vous gérez ça? Non, alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut que je précise. Depuis une dizaine d'années, je suis à la galerie parisienne de Patrice Trigano, qui est un très grand galeriste, qui a exposé les peintres contemporains les plus importants. Bon... Ça, c'est à Paris. Mais à Casablanca, l'atelier 21, c'est la galerie la plus réputée, la plus importante. Ils m'ont dit, ils sont 3 associés, ils m'ont dit, nous, on ne veut pas des toiles parisiennes. Nous, on veut que tu viennes au Maroc, t'installes et tu peins pour nous sous le ciel marocain. Vous avez raison. Alors, je suis parti en janvier dernier à Marrakech, j'ai peint pendant 3 mois, 2 mois et demi, parce que j'ai eu des va-et-vient entre Paris et Marrakech. Et j'ai peint Marrakech et ce que je voyais, j'étais entouré de ça. Et c'est la première fois que j'ai utilisé la couleur ocre que j'ai créée, pas celle qui est dans les murs, mais celle que moi j'ai créée. Et j'ai fait des grandes toiles de 2 mètres et plus. Et en plus, oui, ils m'ont envoyé les toiles directement mon appartement à Marrakech. J'arrivais, je trouvais tout est prêt. C'était les conditions idéales. Il y avait la peinture, les pinceaux, les toiles. Et plus, ce qui est extraordinaire, Fatima. Fatima qui travaillait chez nous pendant toujours. Je fais venir de chez elle pour s'occuper de moi. Et moi, je m'occupais de rien d'autre que de créer. C'est extraordinaire. C'est une vie idéale. S'occuper de rien. C'est le rêve, absolument. Faisait les courses, le ménage, le repassage, la cuisine et tout. Et même, elle lavait les pinceaux. Parce que, entre parenthèses, elle parle de Fatima, pourquoi? Parce qu'elle peint aussi. Mais elle peint, c'est des choses très jolies, naïves. Et elle me dit, j'ai pas beaucoup peint parce que j'ai pas les moyens d'acheter la couleur et tout ça. Alors évidemment, je lui ai offert beaucoup de couleurs.
couleurs et des pinceaux avant qu'elle reparte dans son village. Et c'était un moment merveilleux. C'est un beau partage. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, en parlant de partage, quel effet ça fait quand le roi Mohamed VI vient faire décrocher des toiles de votre exposition pour les acheter? Ben, moi, ça ne m'a pas étonné, mais Pierre Passemont, le galériste, était sur le cul. Et il disait, parce que le roi avait acheté ce catalogue 6 toiles. Bon, moi, je suis pour rien. Et... Un petit peu quand même, je crois. Non, parce qu'il avait reçu le catalogue. Ça lui avait plu. Comme on fait d'habitude, je lui envoie mes livres, il me répond, etc. Mais je n'ai pas une relation directe avec lui. Et puis, 2 jours après, il y a un colonel qui arrive, avec un chèque de banque, il paye. Il dit, j'emmène l'étoile. Alors, non, je pense que Sa Majesté n'a pas demandé à avoir l'étoile tout de suite. Je pense que simplement, c'est le colonel qui a pris un peu un excès de zèle et tout ça. Alors, on arrive à la galerie, il y avait 6 trous. D'accord. Ça faisait un drôle d'effet. Et après, quand j'ai vu Sa Majesté, je lui ai dit, Majesté, vraiment, vous m'avez gâté. Et il me dit, avec son sourire, c'est pas de la flagornerie, c'est vrai. Pour une fois, je me suis senti bien en regardant ce que vous avez fait. Très bien. Vous aviez partagé votre joie et votre bonheur. Ça a fonctionné. Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que le roi du Maroc, Mohamed VI, est un artiste. Il dessine d'une façon extraordinaire. Enfin, les gens ne le savent pas. Mais il dessine et puis il écrit une calligraphie. Il écrit. J'ai 5 lettres de lui. Elles sont toutes écrites de sa main. C'est une merveille. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre d'esthétique. Il adore. J'ai reçu pour justement l'exposition de Casablanca l'apparition de la couleur des mots et les vitraux. J'ai reçu une lettre, deux pages, écrites de sa main. Et moi, je pensais qu'il avait un calligraphe. Et puis, un jour, il était en visite dans un pays, je ne sais plus lequel, et on lui a donné un cahier pour écrire, un cahier d'or. Il y avait la caméra derrière et je voyais son écriture, c'est exactement ce que j'ai. C'est vraiment celui qui a écrit. Et beaucoup plus tard, la dernière fois que je l'ai vu, je dis, mais j'adore votre écriture. Il m'a dit, j'aime dessiner, et c'est pour moi l'occasion pour moi de dessiner. Et il m'a ajouté cette phrase terrible, j'aurais tellement aimé être écrivain. Alors je lui dis, mais vous pouvez le faire. Je lui dis, je peux rien raconter. Alors si on veut vraiment suivre vos pas, il faut aller dans le 7e art, comme vous avez dit tout à l'heure pour le cinéma, parce que vous avez dévoré des séances de cinéma malgré votre petit budget. Et il y a des stars de cinéma et des réalisateurs qui vous ont fait grandir et changer, des hommes et des femmes. Alors, expliquez pourquoi Ava Gardner, Gary Cooper et Hitchcock ont influencé Tara Benjeloun. Bon, Ava Gardner, c'est normal, on est tous amoureux d'elle. On avait sa photo partout, contrairement. Elizabeth Taylor, je l'aimais bien, mais je préférais Ava Gardner. Surtout dans la nuit de Guyane et Pandora, et la comtesse aux pieds nus. Ça, j'avais vu tous ces films. Et alors, il y a une chose, pour vous dire à tel point j'étais amoureux d'elle. Je regardais dans une salle, rue Christine, à Paris, la comtesse aux pieds nus. Et à un certain moment, il y a le prince italien qui vient la chercher, parce qu'elle était entretenue par un milliardaire latino-américain, vulgaire et stupide. Et un prince qui vient et qui l'emmène. Il emmène. Et moi, je me lève et je dis, c'est moi dans la salle. Pour vous dire un peu, j'étais un peu cinglé. Hein. Amoureux. Non, mais c'est une scène, pour ceux qui connaissent le film, il donne une gifle au milliardaire latino-américain et elle le suit. Elle suit le prince. Enfin, malheureusement, ça se terminera très mal. Comme tous les films d'Ava Gardner, d'ailleurs. D'Ava Gardner, oui.
En fait, le cinéma vous a aidé aussi, comme vous avez précisé, quand vous avez été emprisonné. Ça vous a permis de vivre mieux votre incarcération, vous dites. Et est-ce que c'est aussi le déclencheur de votre départ comme vous, tout à l'heure, vous avez dit en fait que l'écriture vous avait permis aussi d'aller à Paris. Mais il me semble que vous êtes allé à Paris avant cette écriture qui a été faite à Mequinez. Non, je suis allé à Paris parce que j'enseignais la philosophie occidentale. Vous étiez allé à Paris avant ? Hein ? Vous étiez allé à Paris avant ? Oui, oui, j'ai allé à Paris pour le cinéma, pour faire des clubs de cinéma, ciné-club. Oui. Et les stages, j'ai fait deux fois les stages de ciné-club à Marly-le-Roi. Et puis après, j'ai dû venir à Paris parce que je ne pouvais plus enseigner normalement au Maroc. Il y avait la répression. Et je suis arrivé et j'ai repris avec mes habitudes d'aller voir des films, surtout à la cinémathèque qui était beaucoup moins chère que les salles de cinéma. Et vous avez pensé déjà au cinéma aussi ? Je pensais, non mais toujours, non, moi je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas un scénariste, je suis incapable d'écrire un scénario, je suis incapable de réaliser un film, mais j'aurais pu faire un critique, mais je me suis dit non, je préfère regarder les films, les aimer quand je les aime, les détester quand je les déteste, et ne pas rentrer dans des polémiques. Parce que quand on écoute aujourd'hui la critique, qui n'est plus ce qu'elle était. Avant, on avait des critiques quand même. On avait Jean-Louis Borry, on avait Serge Danet, on avait les cahiers du cinéma de l'époque, il y avait des vraies critiques. Aujourd'hui, c'est que la promotion, il n'y a pas de critique du cinéma. Et puis le cinéma qui se fait aujourd'hui n'est plus celui que j'ai aimé. Moi, je n'ai pas envie de retrouver le bistrot du coin. Je n'ai pas envie de retrouver les dialogues qu'on retrouve dans la rue. Moi, j'ai envie qu'on me raconte des histoires, qu'on me raconte des histoires impossibles, incroyables. À la limite, on peut sauver certains gros succès de films américains, mais moi, ce que j'aime, c'est je sais pas moi, le Grand Sommeil de John Huston, l'autre film de John Huston aussi, le Faucon Maltais. On ne comprend pas grand-chose. Et pourquoi j'aime ces films ? C'est ça qui est terrible. Alors j'ai découvert, et pourtant nous ne sommes pas de la même génération, que vous aimiez les westerns, vous étiez Gary Cooper et moi j'étais John Wayne. Oui, mais John Wayne était un facho. Peut-être, mais il y avait un quelque chose comme Ava Gardner pour vous et John Wayne pour moi. Oui, oui, mais j'ai pardonné à John Wayne parce qu'il a tourné des très grands films avec John Ford. On lui pardonne. Mais... vous savez, le cinéma américain a toujours accompagné l'évolution de sa société. Et si aujourd'hui, un gamin de 18 ans est sorti pour tuer 19 enfants, c'est pas par hasard. Et ça vient de cette histoire très longue, qui vient de très 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 loin. Et la présence des armes, la facilité avec laquelle on les utilise, ça vient de loin. Ça vient de très loin, parce qu'il disait tout à l'heure à la radio, cet enfant n'avait pas de problème. Cet enfant n'avait pas de casier judiciaire, il a 18 ans, il était tranquille, il jouait avec sur Facebook et tout ça. Et quand même, il a déglingué 19 enfants de 10 ans. Mais quelle horreur! Vous imaginez les familles? Et c'est ça l'Amérique. Enfin, c'est pas arrivé ailleurs, mais ça arrive trop souvent en Amérique pour ne pas se dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. C'est qu'il y a quelque chose. C'est arrivé en Norvège, bien sûr. C'est arrivé en France, des attentats, mais c'est des attentats politiques. Là, c'est un enfant, enfin 18 ans, il sort, il exécute tout le monde. Il y a quelque chose qui... Cette civilisation qui, pour moi, n'est pas une civilisation tant qu'elle fait de l'arme, la vente des armes, une valeur en soi. Et le fléau vient de ces mafieux qui tiennent à ce que le deuxième amendement s'installe définitivement, pour ne pas le toucher. Et ça, ce qui est terrible. Est-ce que c'est ça la civilisation ? Pour moi, non. La civilisation, c'est le respect de l'être humain, quel qu'il soit. Et on apprend ça aux enfants. D'abord, on leur apprend le respect et la dignité. Alors... Comme maintenant et dans votre livre « La couleur des mots », vous
Ça nous transporte dans un savant mélange entre une certaine spontanéité que vous avez, du déroulement de votre vie, des événements que vous observez, et puis aussi votre côté très concerné par la condition humaine. Tout ça est aussi très réfléchi et analysé. Pourtant, vous affirmez une chose qui m'a vraiment étonnée. Vous pratiquez la culture de l'oubli depuis votre rencontre avec Jean Genet. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte de salvateur, cette culture de l'oubli? D'abord, moi j'ai connu des écrivains estimables, intéressants, qui étaient obsédés par leurs livres. Et ça me gênait beaucoup. Et c'est vrai que la première fois où j'ai rencontré Jean Genet, j'ai cru bien faire, le premier déjeuner, de lui faire l'éloge du journal du voleur, que je trouve un chef-d'œuvre d'écriture. Mais il ne m'emmerde pas avec tout ça. J'ai écrit pour sortir de prison, point à la ligne. Fini. Bon, je dis, bon, il est un peu fou. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis, après tout, quand j'écris, bon, c'est pour passer à autre chose. Je suis incapable de reconnaître une phrase, vous me citerez une phrase, je connais aucun de mes poèmes par cœur, je ne connais pas, mais j'oublie. Et cet oubli m'arrange à la mesure où ça me permet de continuer. J'ai la seule peur que j'ai, c'est parfois de raconter la même chose. Là, je commençais à radoter et je compte sur mes amis ici présents pour me le dire. Alors, pour conclure, Tara Benjelloun, on pourrait dire en résumé que chaque intervention de votre part est à la fois un témoignage sur la société en général, mais sur la société marocaine, que c'est une empreinte d'émotion, de sincérité avec une pointe d'humour très appréciable qui vous rend si sympathique auprès des gens et du public. Merci d'être venu partager ce moment avec nous. Merci à vous d'être là, parce qu'il fait beau, vous êtes arrivés là, c'est très bien. Merci à vous. Je vous remercie infiniment, Madame Dizin, pour cet échange si enrichissant. Pour nous tous, bien entendu, je suis sûr qu'il vous aura ouvert votre appétit intellectuel et donné l'envie de découvrir le dernier livre de M. Tahar Benjelloun, La couleur des mots. C'est un récit, pas un roman. Et je voudrais remercier également les interprètes pour l'excellent travail. Et peut-être appeler Alexandra, parce qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui et elle a quand même accepté de venir le faire avec nous. Merci Alexandra. Merci Alexandra. D'être avec nous. On attend un autre bouquet, bien entendu. Voilà, il arrive. Et donc, sur ces mots-là, je vous invite à aller dans le jardin, profiter d'un cocktail offert par l'ambassade du Maroc. Merci encore. Et ce bouquet est pour Madame Dizin.